pas que je suis un bon réalisateur, je dis j'ai fait un beau film. Ce que je suis certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma était important pour moi? Bah, est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Et en fait, donc, le nouveau propriétaire, quand il est venu, quand il a visité les locaux ici il y a 4 ans, enfin je dis bien ici parce qu'en fait on est ici dans ses anciens locaux, et en fait il a flashé sur mes banquettes de chemin de fer en bois. Il a vraiment flashé dessus. Et puis bon, petit à petit, il a très très vite donné son accord pour acheter l'immeuble. Il a fait toute une série de premiers plans qui sont d'ailleurs dans le bouquin. Il y a la dernière photo, c'est le nouveau propriétaire qui est dans, avec tous les plans accrochés au mur. Il a fait toute une série de premiers plans. Après 9 mois, ou je ne sais plus, 10 mois, il a tout viré à la poubelle et il a tout repensé de manière ferroviaire. Décoration ferroviaire et de l'achat de voitures en couchette à la SNCB. Je suis un grand ferrovipate. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'être ferrovipate, mais c'est en fait être amateur de chemin de fer. Déjà depuis très très longtemps. Et il y a déjà très longtemps, j'avais acheté quatre vieilles banquettes de chemin de fer en bois, dessinées par Henri Van de Velde en 1935 pour la SNCB. Et je m'étais dit pourquoi pas faire une série de photos dans un décor imposé, des vieilles banquettes de chemin de fer en bois, un mur noir de briques et un parquet par terre. Et d'inviter des gens, surtout des gens du milieu du cinéma, à venir se mettre dans ce décor imposé. Mais ils devaient eux-mêmes choisir une action à faire. C'est pour ça que le livre s'appelle « En train de », parce qu'ils sont tous en train de faire quelque chose. Donc ça a pris beaucoup de temps, beaucoup d'heures de contact, de téléphone, de mail, et alors de prise de vue aussi. Il y a quand même plus de 150 personnes qui sont passées sur le plateau, quoi. À chaque prise, j'étais souvent surpris de ce qu'ils allaient faire, leur action en train d'eux. Entre autres, Fiona Gordon et Dominique Abel, ils sont venus avec 2 énormes ventilateurs et ils ont fait semblant d'être sur la barre à l'extérieur du chemin de fer. Et il y avait le vent, il y avait la cravate. C'était tout simple, mais c'était assez génial et le résultat est très très bon, quoi. Et donc à la fin de la séance, on choisissait en fait ensemble la photo définitive. Il y a plein de trucages, mais pas du tout en post-production. Interdit, éventuellement je pouvais recadrer comme un négatif normal, étalonné. Mais si un trucage à faire, c'était à faire en studio. Il y a une amie qui a voulu faire un trucage. Donc les deux banquettes sont face à face. C'est le même personnage qui passe d'un côté à l'autre. Et au centre, il y a un jeu d'échecs. Et avec le matériel que j'avais, le matériel digital, je n'ai que 30 secondes maximum pour faire la double impression, entre guillemets, sur la même image. Et donc elle avait des vêtements différents. Et donc pour passer d'une banquette à l'autre, je n'avais que 29 secondes. Et elle a fait trouver le truc, et ça a été fait en moins de 30 secondes. Je ne peux pas tous les citer, mais il y en a vraiment beaucoup d'autres qui sont... J'étais assez surpris, quoi.